Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait une chanson super joyeuse. Et avant de commencer, je tiens à dire, qui c'est qui est chaud pour se mobiliser en vrai? Genre, pour aller streamer tard, je sais pas, faire des trucs, secouer les gens pour qu'ils votent, je sais pas, faire un truc. En vrai, on fait des groupes. Venez, on fait des groupes à la fin. Vraiment, on se parle après et chaud. On fait des groupes et on va attaquer, genre, vraiment, c'est trop grave. Ok, maintenant, on va se motiver. Yes, I. Au rez-de-chaussée de la gauche que j'aime, y'a le parti socialiste, celui 81, celui de l'antiracisme, et de Lionel Jospin, celui qui a fait les retraites, et puis les 35 heures, il paraît que c'est des traîtres, mais ça reste à prouver, c'est sûr que depuis Hollande, ils m'ont un peu déçu, surtout quand Manuel Valls m'avait tapé dessus. Mais je lui en veux pas, je peux tout pardonner, si d'ici moins d'un mois, la gauche est unifiée. Ouais, parce qu'elle est belle, la gauche que j'aime, elle vomit le RN, la gauche que j'aime. Au premier de la gauche que j'aime, il y a les écologistes, ceux qui font du vélo, ceux qui ont des gros mollets, et puis Sandrine Rousseau, ils avaient déjà raison, autant de René Dumont, personne les écoutait, mais maintenant c'est pareil, il y a Cédric Yannick Jadot, il m'énerve un petit peu, mais c'est promis bientôt, il légalise l'ABE, il perd depuis 50 ans, mais là ils perdront pas. Car si tout le monde s'entend, tout le monde gagnera. Parce qu'elle est belle, la gauche que j'aime, elle combat le RN, la gauche que j'aime. Au deuxième, de la gauche que j'aime, il y a cette bande allumée de la France insoumise qui dort dans l'Assemblée. Ils changent jamais de chemise, ils se battent pour les vraies causes, genre la cause féministe, la cause palestinienne, la cause mélanchoniste. Mais c'est vrai que dans le gardieux, ils feraient pas son, mais aussi sans le vieux, ils seraient pas où ils sont. J'ai oublié de recopier la suite, et on va dire je passe au fin. Allez, ça part sur vous, et c'est parti enfin. Putain, c'est les belles. Sur le RN, la France que j'aime, ouais. Au troisième de la France que j'aime, il y a celui qui s'appelle lui-même le communiste. Et moi ça me plaît pas bien, moi j'y qui est viandiste. J'ai jamais bien capté le délire des saucisses, rien qu'à la CGT, il y a longtemps que ça existe. Et contre les fachos, on n'est jamais assez. Rouge, le vin de l'ouvrier, il accompagnera pour fêter la victoire, la viande de bourgeois au menu du grand soir. Ce que les bourgeois appellent les petits fistes, mais ça leur plaît pas bien, ils disent qu'ils sont grossistes. J'ai jamais bien pigé leurs différences profondes, ils pourraient m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Et là on n'a pas le temps, il nous reste à rallier les assos LGBT et les animalistes. Alors LOMPA, reportez vos scissions et unissez nos voix pour gagner les élections. Putain, qu'elle est belle, la gauche que j'aime, elle achève le RN, la gauche que j'aime. Il y a aussi dans la gauche que j'aime des nouveaux anarchistes, des anciens militants, des lesbiennes, des drag queens qui lisent des contes aux enfants, des marxistes-léninistes, des maxi-thermonistes, des autogestionnistes et des philippe-poutistes. C'est tout ce qu'on vous pouvait enfin se donner la main. On pourrait tous marcher vers un avenir commun, celui de mettre une raclée
esprit raciste, et s'il y a un grand soir, nous prouver.